Il y a certaines vérités qui peuvent échapper aux masses. Seules les personnes initiées aux rites traditionnels et aux sociétés initiatiques traditionnelles africaines auront la capacité de décrypter les messages subliminaux. Parlons de Christel Sassou Nguesso, fils de l'actuel tyran congolais. Sa nomination au portefeuille ministériel avait fait grand bruit. Cependant, combien d'entre vous avaient compris le message subliminal envoyé par son père au reste des fils et filles de la veuve? Vous ne comprenez certainement pas, ou toujours pas. J'en suis sûr. Nous vous expliquons tout. Christel Sassou Nguesso est ministre du partenariat public-privé. Dans cette appellation, il y a un message codé, non seulement à son appartenance à la franc-maçonnerie, mais aussi au choix de son père de le succéder. Dans le mot « partenariat public-privé », il y a la symbolique du chiffre 6. Un chiffre qui est associé à Satan. Poursuivons. Si vous prenez chaque lettre P de son ministère, vous aurez trois fois le chiffre P. Et lorsque l'on inverse cela, ça vous donne trois fois le chiffre 6. Ce qui équivaut à la marque de la bête décrite dans la Bible. Certains d'entre vous n'y croiront pas, mais seulement, nous vous invitons à faire vos propres recherches. Gardez à l'esprit que Denis Sassou Nguesso est l'actuel grand maître de la grande loge du Congo de la franc-maçonnerie. Il sait ce que la majorité d'entre vous ignore. À bon entendeur, salut.